Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Maya Game. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo démo d'un mode de Around the Sims 4. Donc pour faire plus court, ATS 3, mais voilà, c'est Around the Sims 4, elle a commencé lors des Sims 3. Ça y est, je vais encore me perdre. Alors, il s'agit d'un mode tout simple pour avoir un grille-pain et avoir d'autres recettes de petit-déj. Et vous savez que moi j'aime bien les recettes supplémentaires parce que c'est vrai que dans le jeu, à force, c'est un petit peu redondant. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo démo. Comme d'habitude, le lien sera en barre d'infos et je vous montrerai parce que vous voyez, même si on a l'habitude, j'ai bien téléchargé les objets, mais j'avais oublié le fameux mode en question. Donc on ira voir tout de suite après. Alors, je me retrouve encore avec ma petite cimette et je suis restée sur cette image parce que vraiment, je trouve que c'est trop chou. Surtout la façon dont Salem regarde la cimette. Donc, c'est parti, j'ai tout installé dans mon jeu, comme d'habitude. Et vous voyez, nous allons retrouver le toaster ici. Alors, on va dans le menu achat, ici. Donc dans les appareils électroménagers de cuisine, nous allons retrouver, alors si vous en avez beaucoup, vous pouvez filtrer par contenu personnalisé. Vous voyez, et là c'est beaucoup plus rapide. Donc on a deux modèles, on a celui-ci en plein de coloris, super sympa, ou celui-ci, à vous de choisir. Moi personnellement j'ai préféré celui-là parce que voilà, il fait un peu plus style et puis j'aime bien le rouge, tout simplement. Alors, une fois que c'est fait, vous allez voir que tout à l'heure, j'espère que ça va se repasser parce que mon chat était complètement terrifié par le grille-pain et c'était vraiment assez drôle, je vous jure. Donc je vais essayer de me placer là. Donc on clique dessus, là c'est pareil, hein, pas besoin de traduction, honnêtement, il n'y a pas besoin d'être d'être bilingue pour comprendre Use Toaster. Hein. Donc utilisez le grille-pain et là nous avons 9 recettes différentes, donc sandwich, confiture, beurre de cacahuète, les toasts, on en a deux sortes, on a des muffins, on a des tortillas, des croissants, on a cette recette là, celle-ci, on a les gaufres, c'est pour ça que j'aime bien parce que j'adore les gaufres, et on a encore d'autres. Alors ça, si je ne m'abuse, ce sont des toasts au beurre de cacahuète. On va regarder. Alors, on clique dessus. Elle va directement donc dans le frigo. C'est dommage, en effet, que ça ne soit pas directement fait avec le toaster. Mais bon, il y a des limites à tout. Il y a des limites au modding. Donc, tout de suite, ce qui est très chiant, figurez-vous, c'est qu'elle se met à manger directement. Donc pour faire ma miniature de vidéo, j'ai un petit peu galéré. Alors ensuite, nous avons alors les petites tartines, ça j'aime bien. On a les croissants. On va lui faire faire plein de choses. Vous voyez, les tartines, c'est... Mais arrête de manger, c'est pas possible. Vous voyez comment j'ai... comment j'ai galéré. Et là, tu ne manges pas les croissants. Non, 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 non. Voilà. Alors, regardez. C'est super sympa. Et encore une fois, ça ajoute un peu plus au jeu. Je trouve que c'est super sympa. C'est vrai qu'Around the Sims 4, elle fait vraiment des choses que j'aime vraiment beaucoup. Alors, elle a ouvert un Patreon. Donc, mais au fur et à mesure, ses publications à elle... deviennent publics. Pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement, certains créateurs choisissent de laisser leur contenu en payant, c'est-à-dire qu'ils ne passeront jamais en gratuit. Donc là, c'est vrai que on peut pas avoir accès, voilà, tout simplement. Donc là, on a d'autres toasts. Vidéo assez courte, hein, puisque c'est pour vraiment vous faire découvrir ce mode super sympa. Il y a le mode raclette aussi, moi qui adore la raclette, peut-être que je vous ferai une vidéo en mode escapade enneigée, près du feu, avec une bonne raclette. On a, alors on continue, des muffins, tiens.
arrête. En fait, c'est ça ce qui est chiant, c'est qu'elle va manger tous les trucs. Hein. C'est plus possible. Est-ce que mon chat... Vous voyez, il va être méfiant. En fait, voir. Il est où? Regardez! Ah non, mais c'est énorme. Faut vraiment que je me place. Regardez. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, c'est exactement ça qui m'a fait tout à l'heure, figurez-vous, mais sans que je lui demande. Hein. Donc là, j'ai pu le faire, voilà, j'ai pu interagir avec mon chat sur le grille-pain parce que j'ai le mode contrôler les animaux. Vous retrouverez le lien dans la vidéo précédente où j'ai présenté le mode de Grumpy. Ça y est, je ne me souviens plus. Si, c'est pour son bar à chat. Et donc, j'avais besoin de pouvoir contrôler mes animaux. Donc voilà, on résume. Le petit toast, enfin, le grille-pain. 9 recettes supplémentaires. De quoi faire plaisir à vos Sims. On se retrouve tout de suite sur la publication de Arms the Sims 4 pour que vous ne loupiez pas, donc, forcément, le mode à télécharger. Alors, nous revoici sur la publication de Arms the Sims 4, comme vous le voyez, Toaster Mode. Et donc, nous avons en image hein, tous les toasters qui sont indiqués, donc les plats. Comme vous voyez, il y en a bien 9. Il faut télécharger un à un, sauf si vous êtes donateur, moi c'est mon cas. Donc là, on a un code qui nous permet de télécharger tout en une seule fois. Mais bon, c'est pas gênant, hein. Vous cliquez, vous téléchargez tout. Et le truc que j'ai oublié, vous voyez, quand on va vite, c'est qu'on voit download, mais on voit pas ici. Voilà, toaster mode, mode grille-pain, le download. Et ça, il vous le faut absolument. Parce que si vous ne le téléchargez pas, vous aurez en effet donc les grille-pains, mais vous n'aurez pas l'interaction dessus pour pouvoir faire fonctionner eh bien, le grille-pain, tout simplement. Voilà, donc comme d'habitude, vous placez ces éléments dans votre dossier mode, sans sous-dossier, et tout fonctionne parfaitement comme vous le voyez. Et là, prochainement, comme je vous le disais, si vous voulez faire un petit tour, il y a le mode, il y a la raclette. Donc regardez comme c'est super sympa, c'est vraiment bien fait, c'est fonctionnel. Donc là encore, encore une super idée. Et vous voyez qu'elle le précise, là on n'a pas besoin d'un pack en particulier, donc c'est vraiment que le jeu de base. Par contre pour la raclette, c'est indiqué escapade enneigée. Voilà, donc vidéo assez courte qui j'espère vous fera plaisir. Bien entendu, je continue de farfouiller le net. Et à ce propos... J'ai fait vraiment une super découverte, donc près de 120 objets supplémentaires, des packs qui ont été réalisés. Donc je vais vous dire ça, parce que du coup il faut que je retourne sans ma publication. Alors non, vraiment là j'ai halluciné, je vous l'ai partagé d'ailleurs dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller faire un tour. En général quand je partage des articles, je les mets également dans l'onglet communauté pour que vous ne loupiez rien. Donc on a des packs d'objets personnalisés OAK by Pierissime, tous les téléchargements sont gratuits, on a 5 packs d'objets, donc salle de bain, chambre, salon, salle à manger, cuisine et plus de 120 objets. Franchement, c'est vraiment super. Moi-même, je pense que je vais télécharger, les mettre dans mon jeu. Parce que là, pour le coup, voilà, c'est du très très beau contenu. Voilà, je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. Passez un très bon dimanche. Bon courage à ceux qui travaillent la semaine prochaine. Bon courage à tout le monde en ces temps troublés. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour une autre prochaine vidéo.